Iman. Alors, on va faire. Putain, pourquoi j'ai mis les 4 points d'un coup? Ah. Il me semblait moins gros. Ah oui, c'est lui. Il est si musclé, Venom. Là, il a pris une image où il était bien buildé. Oh, tu m'étonnes. Un poulpe? Non. C'est très loin d'être un poulpe. Ce n'est pas la mère de Yui. On l'a déjà fait, non? Lequel? Celui-ci? Non. Et Venom non plus. C'est une abeille ou quoi? Dans un pays de tous les temps, vit la poubelle des abeilles. La fée clochette, une fille, Simo, Cyrano, sinon, sinon. Cyrano de Bergerac. Cyrano de Bergerac. Ce n'est pas un nez, c'est un cap. Une fée. Alors. Ah, elle est compliquée celui-ci, mine de rien aussi, je trouve. Ouais. C'est une fée, elle s'appelle Lation. Une fée qui fait du roller. Eh ben, y a l'idée des rollers. Les rollers, y a l'idée. La fée des abeilles. Mais si tu sors, ouais, non, mais... Comment dire, Durer l'air. J'ai mon nouveau compagnon parce que... Oui. Celui-ci ne tient plus la route. Alors, un indice peut-être... c'est issu d'un manga. La fée des dents. Après, c'est moi qu'on veut ban, Mace, bah putain. Putain. J'arrive pas à le mettre en place. Voilà. Bonne voilà. Soirée. J'ai un meilleur partenaire de soirée, quoi. Il est pas très bavard, mais au moins il fait pas de blagues de merde. Alors, Bloom, non. Alors, ça vient d'un manga. Donc, c'est un personnage féminin, je le dis tout de suite. Bravo, Liman. C'est Sakura. Chasseuse de cartes. Bon, par contre, mais il va falloir que tu reviennes parce qu'il faut rentrer des points. Arrête de regarder les messages. J'ai gagné. Mace, reviens ici tout de suite. Oh putain, mais quel relou. C'est Holyman. Oh, alors, qu'est-ce qui me reste là? Il me reste lui. Elle ressemble à ça. Envoie-moi les messages, elle a des rollers. Bonjour. Je suis le nouveau compagnon de Yue. J'ai un accent mexicain. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Et un gyroïde, non? C'est plus simple qu'un gyroïde, hein. Ah bah bon, bah déjà, Liman a déjà trouvé. C'est un elfe. C'est un... Bravo, Liman. Trop facile, celui-ci. Ah bah oui, il est très facile. Trop facile. Hein. T'as mis le point? À Holyman? Oui. Non. Le mec vert dans Star Wars. Je mets le point. Il était trop simple, lui. Bucky, trop simple. Lui, il est dur aussi. C'est bon. Ouais, non, t'as raison, je vais le garder pour c'est la bon, fin. J'ai mis le point. Ah non, attendez, je vais mettre elle. Alors, celle-ci, si... Cette image-là, si vous réussissez. Pas vu Star Wars. Ah. Eh ben, va regarder tout de suite, on doit regarder cette merde. Mais oui, Yoda, j'avais plus son nom. On ne met pas le point à Holyman, on met le point dans Holyman. Il y a... Non, Vasilis. Ah, il réessaye avec Vasilis. Angelica, non. Purée, la fille dans la famille de la jungle. T'es pas loin, Nabucco, si tu réussis à trouver le prénom. Pourtant, c'est pas ta génération. Ouais, hein. Pourtant, c'est pas ta génération. Angelica, non, c'est pas Angelica. C'est pas Angelica le prénom. Oh le mec qui parle à l'ours. Non, j'ai plus le nom. Alors, est-ce que quelqu'un va avoir le nom? Est-ce que quelqu'un va réussir à faire la recherche sur internet le plus rapidement possible? C'est lui qu'il faut regarder. Est-ce que quelqu'un va réussir à faire la recherche sur internet le plus rapidement possible? Je ne sais pas, c'est tout le suspense. Bravo Nemel. Elisa de la jungle. Salut, c'est moi, Elisa de la jungle. C'est un générique qui a traumatisé toute une génération. Moi, je regardais pas, j'aimais pas ça. Non, mais moi non plus. Oh, cette gueule. Mais non! Bon, on fait quoi maintenant?
Ben c'est pas fini. Ah pardon. M'en fous, j'ai trouvé la série moi. C'est vrai que Nabucco, t'as quand même trouvé la série. Recherche dans mon enfance. J'en avais peur, mais tu m'étonnes qu'il y avait de quoi en avoir peur. Lui, il porte quand même des cons même super compliqués quand tu vois l'ombre. Mais si, c'est de notre génération, Yue. Ah ouais? On se partage le point alors, dit Nabucco. Qui est-ce? Bah ça tombe bien, l'émission se termine à minuit. C'est vrai. Loul. Loul. Dans Senseiya. Ouais, mais alors qui c'est? 0. Samus, non. C'est 0, non. Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! Sean, c'est pas Sean. Sean, on l'a déjà fait. Dans le premier Pad Life. Enfin, premier, ça s'appelait pas Pad Life à l'époque, mais. Non, c'était trop pourri d'ailleurs. C'est pour ça qu'on a été repéré. Non, mais je suis là, faut me regarder dans les yeux, espèce de connard. Yu-Gi-Oh! Sean. Qui s'est collé sur Facebook? Mais c'est dans les Chevaliers du Zodiac, hein, en tout cas, effectivement. Qui s'est collé sur Facebook? Bah, c'est toi! Mais je suis là! Regarde-moi dans les yeux! Alors, attends, comment tu l'as écrit? Il a des lunettes, il est quand même bigleux. Je sais pas comment tu l'écris, mais elle... Parce que moi, c'est pas l'orthographe que j'ai, hein. Salut, Jblois. Salut, JB. Pégase. Parce que, Namel, moi, je sais pas ce que c'est, ton truc, là. Boué. Mo, mu... Oui, bah, c'est ça. Oh, enfin. Enfin. C'est mou. Mu, mou. C'est un point pour Namel. C'est le chevalier du bélier. Bravo. Et voilà, le c'est qui ça. Justement, c'est qui avait gagné? C'était Holyman qui avait gagné. Mais c'est pas fini, là. Ah, c'est pour ça qu'il me manquait un point. Je me disais, merde, j'ai oublié un point. Non, c'est bon. Bon, allez. Dernière image. D'ailleurs, comment tu peux avoir... il manque un point quelque part, parce que... Ah là, tu viens de me dire qu'il restait encore un. Mais non, c'est fini, là. Ah, donc il manque un point. Oui, oui, il te manque un point, donc t'as loupé quelque chose. Bravo. Voilà, on te donne une mission super simple. Jésus-Canon-Ours. On lui donne une mission simple. Oh, Jésus-Canon-Ours. Je vais te tuer. Non, mais... Oh, punaise. Oh, punaise. Oh, quelle nouille. Moi aussi, on va me virer après l'autre. Salut, Laura. Oh, punaise. Moi aussi, on va me virer. Reprends ta place au lieu de faire l'abruti, là. T'as loupé un point. Andouille. Andouille. Bravo, je ne sais pas qui tu as volé. Oh mon dieu. Vive les nounours. Je viens sur un live et je vois un mec qui a un nounours vivant. Monogazeuse contient des produits illicites. Alors, la suite, on passe au c'est quoi ça? Non mais peut-être qu'il faudrait peut-être régler cette histoire de points manquants, non? Et tu veux faire comment? Bah, Nemel, t'as donné combien de bonnes réponses? Mais si tu lui fais confiance à... Non, on verra si c'est... Alors, qui peut nous dire combien il a eu de points, s'il vous plaît? T'as mis la partie 2 de ton stream, j'ai pas compris. 14. Ah bah... Bon, bah pour la peine, moins 1 pour Nemel qui essaie de tricher. Et voilà, hein. Nabucco, moi j'en ai 3,5, ouais, donc... Bon, bah vu que personne veut me dire, bah tant pis, quelqu'un a perdu un point, voilà. C'est l'heure du c'est quoi ça? C'est l'heure du c'est quoi ça? C'est l'heure du duel! T'as mis Nemel avec Elisa de la jungle? Le point. Je sais pas, ça lui fait. Parce qu'il a eu, il a eu Mew, il a eu Elisa de la jungle, et il a eu. C'est bon alors. Ouais. C'est bon. Le problème est réglé. Donc. Il parlait à Laura en fait, quoi là. D'accord. Il parlait pas à toi. D'accord, mais pourquoi il est là? Allez, c'est quoi ça? Rappelle un petit peu les règles. C'est quoi ça? Alors, vous allez voir une image qui est tirée d'un jeu vidéo, donc on veut le nom du jeu. Il y a juste un seul point à gagner, donc pas besoin de se prendre la tête. Le nom du jeu, sachant qu'au départ, vous aurez plusieurs
des zooms sur plusieurs parties de l'image, puis après l'image en plein écran, pixelisée. Bon, normalement, vous devrez trouver quand même à la fin. Voilà. Donc, on va démarrer. Ça va pas, toi? Sur... bon, je sais même pas. Tiens, on va démarrer. Nobuko dit non, mais non, chez moi, le Elisa, tu l'as trouvé car j'ai dit la série. Mets moi le point à Nobuko. Nobuko, ça va faire chier Nemel. Je mets un point à Nobuko? Ouais, non, tu retires le point de Nemel pour le mettre à Nobuko. Ah bon? C'est de sa faute, hein. Je sens que je vais rester 24 heures sur cette chaîne, moi. Ah, c'est gentil. Alors, pourtant, on fait bien de la merde. Surtout Pokésem. J'aimerais pas dire, mais Pokésem, c'est le pire. Arrête. Pokésem, c'est le pire entre nous. Alors, messieurs, je me présente, je m'appelle Laura. Oui, mais je sais très bien qui tu es, Laura. Mais tu sais, on s'est déjà parlé via les... C'est déjà tout. C'est tout sur toi. Mace sur le chat, c'est en fait le Mace qui est là. Et Yue sur le chat, c'est en fait le Yue qui est là. Eh oui, sauf que concentre-toi sur ton jeu parce que Dana a donné une réponse. Oui. Non, c'est Oliman qui l'a donné en premier d'ailleurs. Ah, c'est vrai? Oui, regarde en haut. Ah. Donc, un point pour Oliman. Alors, je le savais avant que c'était la famille de Jeanne, je le jure, je ne l'ai pas dit pour donner l'info. Bordel de jeu, c'est pour ça que j'ai fait une recherche et trouvé la réponse avant vous. Le jeu gore, on doit buter tout le monde. Oui, c'est Oli avec un chat comme silencieux. Qui est? Quel jeu est-ce? Merde, je suis en train de faire n'importe quoi. Oui. Tu l'as fait passer sur le... Je sais pas s'ils l'ont vu. Non, ils n'ont pas pu le voir. Non. Ouf. Alors, Skyrim, Latence plus autre truc qui bug, The Last of Us, Rayman 3, Skyrim... Ce n'est pas Skyrim. Half-Life 2. Bravo Oliman. Bravo Oliman, je mets le point, t'inquiète. Ah, tu butes. T'inquiète. Bon, d'accord, occupe-toi des points maintenant. C'était Half-Life 2, exactement. Counter-Strike. Il m'a fait peur. Pourquoi? J'ai joué une sorte de temps de latence. Quel jeu? Dites-nous quel jeu est-ce. Tu sais que je suis occupé. C'est le jeu. J'aime beaucoup les jeux vidéo. M'apprécie. Oh bonjour. Sale petit hobbit. Sale hobbit joufflu. Sale les abîmes. Salut à Tom Sky. On va faire tous les deux et deux Gollum qui se parlent. Je suis Gollum. Alors... Colossus nous dit Oliman. Ah oui, non, mais là, là c'est trop abrégé. Là, faut le dire tout le truc. Là, je l'accepte pas, Colossus. Moi non plus. Faut le dire le nom entier, là. Vous me connaissez? Bien sûr. Non, mais Laura, tu me fais peur, là. On s'est déjà parlé sur les chats de Pokéseb. Non, mais tu te souviens pas de Maze, quoi. Non, mais allô. Non, mais quelqu'un qui se souvient pas de Maze, moi, c'est. En bien ou en mal. On dit pas mal de conneries, c'est vraiment... Non, mais c'est juste qu'on a parlé sur le chat de Pokéseb. C'est même moi qui te demandais... Shadow of the Colossus. Oui, bah, sauf que Nemel a rempli Shadow of the Colossus avant. Ah, c'est mieux comme ça. Donc, pour répondre à Laura, c'est même moi qui te demandais quand est-ce que tu mettrais ton premier stream sur YouTube. Bref. Oui, mais sauf que Nemel, du coup, a répondu en premier correctement. Nemelt. D'accord, donc c'est Nemelt qui a le point. Voilà. Alors, Shadow of the Colossus, non, je me souvenais plus du nom entier. Ah, c'est pour ça. Laurent se parle souvent chez Seb, si tu as oublié. Je fais partie de la team Red Fox depuis combien de temps? Je suis désolé, mais c'est pas grave. Nous deux, ça fait quoi, 4 semaines maintenant? C'est vrai qu'ils sont 5 semaines. Nous, c'est la 5ème émission qu'on 5 fait. 5 semaines qu'on fait partie de Red Fox. Et que ça fait le 5ème jeudi qu'on fait une émission. Ouais. Et la dernière. Non, j'en ai marre, hein. J'en ai marre. Je sais même pas s'il y avait quelque chose. Ah, surtout que si les gens qui viennent ne se rappellent même pas de nous. Bon, ça fait un an et quelques qu'il y a Tom Sky. Moi, j'ai pas trouvé celui-ci. Non, mais Laura, je suis un peu triste que tu te souviennes pas de nous, quoi. Non, mais quand même, on a discuté, quoi. Mais c'est fini, oui. De mettre mal les gens comme ça en pleine émission. Mais non, mais tu te rends compte, on était tous les deux à lui parler, à lui dire, oh, tu vas nous rejoindre. Je vais te mettre une claque. Elle va tomber. En fait, je sais même pas pourquoi on la recrute, c'est bon.
J'aime même pas des gens qui viennent. Comme tous les jeux auxquels vous parlez, le soldat inconnu. C'est ça. Bravo Liman. En fait, c'est juste soldat inconnu parce que mettre le soldat inconnu au pluriel, c'est un peu con. Bon, et ça y est, je suis de mauvais poil. C'est pas grave. Et je suis de mauvais poil. Si j'étais passé une fois, vous m'avez expliqué les vidéos trolls que vous passez de temps en temps, c'était cool. Oui, c'était, ah oui, c'était sur mon live perso. Ah, peut-être, oui. Quand on est regardé les YouTube poop. Oui, c'est vrai, parce qu'on s'était vu. Parce que moi, je m'en souviens. Ah oui, contrairement à Laura, je me souviens à qui je parle. Moi, je n'ai jamais vu votre tête. Oui, tu nous as pas vu. Tu n'as pas vu notre tête. Non, mais tu as vu notre pseudo. On a discuté. Mais bon, c'est pas grave. Mais je vous aime bien, oui. Laura, tu peux partir. Mais je vous aime bien. Team cheveux longs. Ouais. Alors, j'ai mis le point Liman, hein. Oui. J'ai mis le point Liman. Ah bon. Je vous aime bien, oui. Je suis désolé, mais c'est pas grave, Laura. C'est juste qu'il fait chier. Oui, moi j'ai une mémoire. Je me souviens très bien que t'étais passé. Je le mets mal. Je me souviens que t'étais passé. C'était du coup il y a 6 semaines. Aura Kingdom. Vu que c'était sur mon live perso. Alors, quand on regardait les YouTube poubs et que tu Olyman, savais pas ce que c'était. Répond Tales of Zillia. Voilà, donc vous pouvez venir sur nos lives. Nous on se souvient de qui vient. Tu dis même pas si c'est la bonne réponse. Je m'en tape. Donc c'était bien Tales of Zillia. Ce jeu, il y a des choses plus importantes là, non? Là il y a Laura. Oh, donc Koala, c'est important. C'est important là. De quoi ça? Je me souviens pas de nous. C'est lequel des deux de quoi? C'est Tales of Zillia, oui, c'est ça. Tales of. Donc c'est Olyman, tu lui as mis le point, Olyman? Tu connais tous les jeux, Oli, c'est pas possible. Oui, j'ai mis le point. J'ai mis le point. Des jeux anciens, bah tiens. Hop, un jeu ancien. Vu que ça réclame, voilà. Mettez des Okami, on a déjà mis Okami. T'étais pas là quand on a passé Okami. Fini de regarder tes messages en plein. Dans la 3D. Koala, c'est celui qui fout le bordel chez Pokéseb. C'est pas Castlevania, c'est piège, mais non. Je sais, mais je fais plein de choses en même temps. Castlevania, Mortal Kombat. Pam pam pam. Qu'est-ce que ceci? Ah. Je ne saurais même pas l'écrire celui-ci. Super Castlevania. J'ai même commenté la vidéo de ton premier live. Trop rétro pour ma gueule. Elle parle à qui? À quoi? Ah oui, à Laura. Oui, oui. Ah, parce que je ne me souviens pas de quoi là non plus. Je sais pas. Ah non, mais là, faut consulter, là. non, mais là, ça les énerve, là, Laura. Ou alors, t'en as juste un je m'en foutisme total. J'ai éteint l'apéro pendant ce live. Ah ouais, mais l'apéro, on a raison, c'est quand même sympa. La faucheuse, Tales of Castlevania. Non. En même temps, c'est pas facile, ça. Hein. Non, mais c'est de la même époque quoi, que la grande époque des Castlevania. Ah, mais oui, je me souviens de vos pseudos, là, oui. Oh, la meuf, genre, on va la croire. Fallait juste que je les revoie. C'est ça. Je suis pas crédible du tout. Quel grand bâtard. Pas crédible une seule minute. Ah, mais oui. Bah voilà. Et c'est pas grave. Trop vieux. Non mais je te troll, hein, Laura, ne te prends pas trop au sérieux. Oui, non mais bon, si tu le précises jamais. Alors, c'est ça qui est drôle, c'est quand les gens ils ont le doute. Ils se foutent de ma gueule ou... Alors, du coup, je pense que c'est un peu compliqué, moi, celui-ci. Non, je rigole pas, j'ai des défauts, mais pas de mentir. Alors, du coup, parce que là, ça va traîner, ça fait trois plombes qu'on est sur la même image. Bah, comme je l'ai dit, donc ce jeu-là, il était sorti sur Super NES, mais il était aussi en salle d'arcade à l'époque. Il est à peu près de la même génération que les Castlevania, qui étaient aussi sortis sur Super NES, etc. Du jeu et de Maze. Qu'il est trop vieux. Moi, ça me fait pas rire. Alors. Et quel indice? On joue le roi Arthur. Ouais, c'est vrai que le personnage s'appelle Arthur. Un personnage qu'on retrouve d'ailleurs dans les Marvel vs Capcom, parce que c'est un jeu de Capcom, là c'est quand même déjà pas mal d'indices là. Alors quand je vais parler de vieux jeux, je vais parler de jeux de PS1. Roi Arthur, Capcom, même époque que les Castlevania, Super Castlevania... Excalibur. Super Castlevania et compagnie. Celui-là était sur Super NES. Le méchant du jeu s'appelle Red Arima. On va jouer quoi là, c'est... C'est le gars et Yue, c'est l'autre. Ah, enfin, le méchant, un des méchants. C'est le gars à lunettes. Ah non, c'est... Yue, c'est l'autre. Non, moi, c'est moi, Yue. Moi, c'est Yue, je suis le gars à lunettes, et Mace, c'est l'autre. Ah Nemel, il a dit un truc, mais c'est pas ça. Non, c'est pas... Nemel, t'y es presque. T'y es presque, Nemel, t'y es presque. C'est pas celui-là, c'est l'autre. C'est pas celui-là.
C'est pas celui-là. Attends, non, mais... Regarde la caméra. C'est un bois. Yue, Mace, Koala, il n'existe pas. Bien aimé. Non, mais je suis dans Modo qui passe, je stream samedi soir. Oh. Samedi, moi, par exemple. Quoi? Non, non, rien, c'est Laura, c'est tout. Bon, mais vas-y, donne la réponse, parce que là, sinon, donc, ça veut dire trois plombs. Bon, bah, c'était Ghouls and Ghosts. Ghouls and Ghosts. Ghouls and Ghosts. Bah, note-le, parce que... Ouais. Bon, bah, je regrette d'être venu, j'ai honte. Je sais même plus. Mais voilà, vous, que... vous la mettez en position... Bon, je suis pas sûr de l'orthographe, mais démerdez-vous avec ça. Alors... Qui est toujours avec nous? Oh punaise, mais il y a encore plein de monde! Mais vous êtes fous! Ah oui, non, mais Laura, elle s'est fait humilier devant tout le monde. C'est ça qui est rigolo. Tu fais rire, toi? Oui. Alors. Alors. T'es nul, même. Qu'est-ce que ceci? On a mis le point NML ou. Non, on n'a pas de point, du coup, je suis bête. Alors. J'allais lire le titre du. Ça, c'est pour récompenser ceux qui suivent un peu l'actualité vidéoludique. On a déjà un premier indice. Il n'est pas marqué sur Wiki ce jeu-là. C'est Laura, on va la recruter, elle va tous nous oublier en arrivant. Ah non, je te jure. C'est quand même une petite communauté télé. Alors bienvenue sur la Web TV Gaming Live. Non, c'est pas celle-là. Non, ici c'est Red Fox. Ah bon? Alors attends, oh oui, BE2NYB. Mon nom à moi c'est Binemi, oui tu l'as deviné. Salut, Anti-Community TV. Je connais pas. Far Cry, Skyrim, non, je n'ai pas oublié, mais c'est un souci que j'ai. Tant que je ne vois pas une personne plusieurs fois, je ne la reconnais pas. Non, c'est pas Far Cry. Chiant. The Witcher. The Witcher. Bien joué, si tu peux. Enfin, c'est le 3. The Witcher. Bon, on va considérer que c'est bon. The Witcher, oui, le 3 qui vient de sortir à l'instant. Oui. Voilà, pour ceux qui suivent l'actualité, c'était un petit jeu très actuel. Alors... Un point. Alors bon, vu que c'est Laura qui a donné la réponse, on va pas lui donner de point. Alors, on met un point sur... Non, vas-y, donne un point à Laura. Laura. On est gentil, hein, quand même. Alors, attends, je supprime. Ah! Il avait combien de points, Liman? 8? Je crois, oui. 9? Non. Non, Laura, non, ça suffit pas. Alors, yeah, j'ai rattrapé. LOL! LOL! Le 3 est magnifique. Ah, moi, je me le suis commandé, j'espère le recevoir ce week-end. Ah, le rose! Le rose, j'aime beaucoup le rose, petit patapouf! Alors, Spyro. Non. Superman, bien joué. Oh, bravo. Superman Nemel. Sur Nintendo 64. Le fameux jeu avec des anneaux. Super, oui. Sonic. On l'a diffusé, oui. On a diffusé celui-là, celui-là, oui. Celui-là, non. Il en reste plus que deux, en fait. C'est le dernier, celui-ci. Ouais. Mais il en reste plus que deux, en fait. Il reste, ouais. Oh, ça, j'aurais trouvé, hein, celui-ci. Je l'ai à la maison, moi, celui-ci. Hashtag JDG, c'est ça. On pourra même y jouer à celui-ci. À l'occasion, ouais. Ah, tu veux jouer encore faire défoncer, mais oui. Non, ce n'est pas One Piece. C'est pas One Piece, c'est pas One Piece du tout. GG Nabucco. Ce n'est pas Naruto. Tu vois, il y a le bug là. Mais c'est quoi ça? Ah, bah, j'en étais sûr, hein. Qu'ils n'allaient pas savoir. Ce n'est pas One Piece. Ce n'est pas Naruto. Ah, mais celui-ci, il est... Alors, Koala, Yue, j'espère vraiment que vous ne l'avez pas mal pris, que je vous ai pas blessé. Mais non, je l'ai pas mal pris. Moi, si. Non, mais attends, la meuf, j'ai discuté avec alors, elle. Alors, Smash Super Smash Bros. Dit... version manga. On lui dit bien. Ouais, lui... C'est un peu trop... Je parle. On lui dit bienvenue et tout. C'est important. Mais on s'en fout, on est en train de jouer Super Smash Bros. Version manga. Alors, c'est un peu le concept du jeu, mais il faut trouver Animal Star, non, Smash Bros. Nanana, Laura... Non, c'est pas un jeu, ça. Bon. Mais c'est fini, oui. Bon. T'arrêtes. Bon, j'ai pas le nom. Ah, vous êtes nuls. La violence. Alors, c'est quoi le jeu? Alors... Moi, je te connais, mais je te connais, toi, mais pas ta petite tête. Sur le stream, là, en cam, c'est Mace et Yue, tu l'as pas compris? Ah non, je pensais que c'était PokéC, mais... Et quoi, là? Et quoi, là? J'ai rien compris, moi. Mais bon, où est-ce qu'il est? Je croyais qu'il jouait à Poké, mais... 174, il y a Freezer, Oli. Super Smash Bros. The Manga, Comic Star Fighting, non, si tu bourdes...
Je t'attache et je te fais manger des cookies koala. Mais pourquoi des koala? Si tu boudes. C'est moi qui boudais. Oui, c'est Mace. Ça, c'est Mace. Ça, c'est Mace. Et ça, c'est Yue. Alors, est-ce que on donne un indice ou pas? Un jeu qui est sorti sur PS2 et GameCube. Et GameCube. GameCube. GameCube, pas GameCube. Le Game Boy. Le Game Boy. G-Star. Jumpstar. Non. C'est dans la lignée. Non, je en suis... fait, bon, attends, comment on pourrait dire? Dans le nom, ça mélange les trois noms. Ça, oui. Initiales des trois noms. Il y a les noms, initiales des trois licences qui sont dans le jeu. Donc, on va trouver le bon ordre. Battle Stadium. Bah, tu es presque, Nemel. Faut compléter. C'est le début, il manque trois lettres. Non, mais il faut bien que je donne des indices, sinon là-bas. Mais te fape pas le téton. Je me fape pas, je... je veux juste faire la topique. Hein. C'est dégueulasse. Anime NOD. Donne. Oui, bravo Nemel, Battle Stadium D.O.L. Ben, il l'a mérité, Nemel, parce qu'il avait dit Battle Stadium et donne. Donc, point pour Nemel. De toute façon, c'est Nemel qui. Bah oui, bah donne-lui un point. Bravo. Donc là, c'est le dernier, on est d'accord. Si tu mettais. Alors, on fait le récapitulatif. Non, il reste un seul. Ah, il en reste un, pardon. Putain, le mec, il suit rien. Il arrête pas d'engueuler Laura et il suit rien. C'est incroyable. Il y a quand même. Tu te rends compte qu'elle a pas que ça à faire de se rappeler de toi, quand même. Mais c'est impressionnant, les gens comme ça qui font, ça te centre du monde tout le temps. C'est incroyable. Moi, je trouve ça incroyable. Bon. Pas trop vite. Tu m'arrêteras à la pendaison. Battle Stadium D.O.N. Une échelle, j'ai 2% de batterie. Rayman. Bah, Oliman, tu as gagné, tu as tout donné. Bravo, Oliman. Zelda gagné. Link, The Face of Evil. Magnifique image. Et voilà. Bon, on fait le récapitulatif des points. Oui. Que ça prenne moins de temps que la semaine dernière, quand même. C'est mal barré. Tu sais qu'on a un programme. Ah oui, c'est vrai, pardon. Eh oui. Pour une fois qu'on serait quasiment pile à l'heure, ça serait bien quand même. Bref. Oliman, 9 points. Nemelt, 5 points. Nabucco, 4 points. Et Laura, on s'en tape. Un point. Bon. Donc c'est Oliman qui, à chaque fois. Oh, il est chiant. Je crois qu'on va le bannir. Je crois qu'on va le bannir définitivement. En même temps, c'est aussi les autres qui sont nuls. Moi, j'ai dit, c'est moi qui ai dit Zelda en Prems, dit Nabucco. Ah bon? Oui. Oui, mais c'est pas Zelda. C'est Link, The Face of Evil. Attention. Il a rajouté Zelda, Oliman, mais en fait, c'est pas vrai. C'est Link, mais comme il a mis Link, c'est Link, The Face of Evil. Oui, oui, oui. Ce n'est pas Zelda. Il y a un piège. Oh, Tsuki. Nemel, t'es nul, t'as perdu. Donc, je confirme que c'est Oliman... qui gagne. C'est Oliman qui gagne. La violence. Alors, du coup, c'est Oliman qui a gagné. Et on passe, du coup, à la suite du programme. Bah, donc, le best-of. Le best-of, et après on se quittera. Et puis après, on se quitte. Déjà, ça passe vite. Hein. Moi, j'en pouvais plus. Avec le mec, le mec qui me gueule dans l'oreille. Moi, demain, c'est Odika. C'est premier horreur. Allez, le best-of. Face of Evil, ouais, bon, excuse-moi, mais Face of Evil, il y a des gens qui oublient les noms, moi je sais pas prononcer, voilà. Mais oui. Alors, si tu aimes les cookies, bah, c'est dommage que j'ai pas des cookies dans mon bureau pour une fois, mais oui, j'aime les cookies. Je veux des cookies. Monsieur, on a un programme à respecter. J'attends les cookies. Le mec, il nous dit, oh, il a un programme à respecter. Bon, allez, best of. Rejambon. Best of de la semaine dernière. Il y a autre chose qu'à foutre que dire rejambon. Best of de la semaine dernière, c'est énervant. Peut-être le temps que ça. Ça bœuf. Ça bœuf. Ah bœuf. Il vole un œuf, vole un bœuf. Au moins la moitié. Au moins la moitié. Mais là. Bon, le mec il me dit ouais il faut taper, ça les ralentit, et là, qu'est-ce que je vois, les monstres, ils... Ben je n'ai pas compris. Bon, un gage pour Mace. Non. Un gage pour Mace. T'aimes pas les couettes en tout cas. Alors, Ah, c'est l'anniversaire de Oliman. Et il y a un peu d'originalité quand même. De quoi? Bah, les couettes, c'est pas mais original. Mets un joyeux anniversaire à Oliman dans le. C'est bon là?
C'est mon anniversaire. Tu l'as bien senti l'anniversaire. Mets un message d'anniversaire. Fais-le. Mais non, mais on s'en fout. Mais non, tu l'écris là. Non, mais qui crève. Ah, oh, mais il... Ah oh ah oh. Tu m'as fait peur. Ah ah ah. Fini, oui. On peut faire ça pendant une heure. Ah oh. Blind test. Maintenant, je vais partir. Blind test. T'as pas préparé les points. Regarde ce qu'on a pas du tout préparé. Bravo. Bravo, potato. Bravo, le veau. Vous noterez que May, c'est un vilain. Ah, vilain, pas beau. Un vilain, pas beau. On va connaître... C'est le... Silence. Sinon, je parle allemand. Donc, Hitler. Donc, pour moi, on est plus pour la peine, je vais manger un brodo. Tu vas manger quoi? Un brodo. Ah bon. Mais tu lis même pas le truc. Mais je cherche. Le mec, il fait semblant de regarder. Non, mais j'ai pas vu, c'est bon. J'ai le droit de louper une ligne, ça fait rien. Vas-y. À qui tu attribues pour là? Désolé. Salut Rika. Salut Rika, ça fait super longtemps que t'as pas vu, je t'ai presque pas reconnu, Lyon. Qu'est-ce que t'as mis dans les bonbons? Rien, c'est légitime. Qu'est-ce que t'as voulu faire avec tes bonbons, surtout? Qu'est-ce que j'ai mis dans les bonbons? Dans la peau, c'est sympa. Oui. Mais si de votre côté, vous faites des trucs qu'on peut diffuser pendant une pause. Oh! Qu'il soit diffusable sur Red Fox. Qu'il soit diffusable sur Red Fox. Pour les prochaines pauses, n'hésitez pas. DJ, à proposer. Vout. Voilà. Par contre, je peux questionner sur les lunettes. Non mais t'es sérieux? Attends, y'a que les gamins qui vont. Et toi, t'es devenu pour pas de gamin, toi. J'avais proposé des mecs qui étaient plus. Le mec, un gamin vivant, quoi. Oh merde. Putain. J'ai gagné. Kakilika. Alors, Kakichan, ça ne fonctionne pas. Oh, c'est... Donc, bravo Aliman. Les gros bâtards. Il est écrit n'importe quoi aussi. Quel kick-shot. Oh les rires de merde en plus. Moi je sais lire. Bah moi je me casse. Holyman. Holyman. 6 points. Rika. 4 points. Nemelt. 4. Non mais t'as fait péter les mains. C'est une méchante ombre verte qui a enlevé notre ami Kikouk. Tankouk. Tankouk. C'est celui qui doit les sauver pour faire la cuisine. Non, c'est le frère de Kikouk. Kikouk aura dit beau. On va le retrouver. C'est-à-dire que le best-of de l'émission qui suit et puis le best-of de notre émission. De l'émission. De... C'est-à-dire que le best-of de cette émission et l'after et le pas d'after de cette émission sera diffusé la semaine prochaine. Il parle chinois. Non, attends. Quoi? Ah mais oui, de parler non. C'est la fête. Kakichan sort de ce corps. D'être resté avec nous et puis à la prochaine. À la semaine prochaine. Coupe. Allons faire l'amour. Ok.
déstresse. On est relâ. En plus, tu me fais me tromper de fenêtre avec tes conneries. Oh, musique, maestro. Mais alors, attends, pour répondre, ah oui. Musique. Pour répondre un peu aux questions, oui, on a sur mes lives que je fais sur Red Fox le mercredi après-midi, on avait fait Adibou en 3 semaines. On avait fait Adibou en 3 semaines. Voilà. Et hier, il n'y avait pas grand monde d'ailleurs. Donc on a fini un peu. T'as fini Adibou hier? Ah bon, alors, on l'a fini, c'est fini Adibou. Ah, t'as récupéré Kikouk. Ah oui, on a libéré Kikouk, on a commencé à faire les gâteaux, tant pis pour ceux qui n'étaient pas là. Hein. Ah oui, hein, tant pis pour vous. Hein. Vous n'avez pas vu les gâteaux, hein, voilà. Non, on a fini Adibou hier. Enfin, avec les 2-3 qui étaient là. Kekichet Forever. Non, je ne dirai pas. Bon, j'ai cours demain, je vais dormir, mais de toute façon, on va clôturer l'émission. Cola. Bon, voilà. Vous viendrez sur mon premier live, les amis? Bah oui, on viendra. Faudra nous prévenir. Je crois qu'il n'y a pas encore de date encore. Il faudra voir en fonction du planning. Faudra qu'on voie le planning si on est occupé ou pas. De toute manière, je vais voir le replay. Mais si on est dispo, oui, avec plaisir, on ira voir ce que tu fais. Et bon, oui. pour dire, mais c'est qui elle? C'est qui? Je l'ai jamais vu. Je lui ai jamais parlé. Depuis quoi, les soirées de Fox? Il faudrait que tu m'envoies un message, Laura, je passerai. C'est voilà. Sur ces bons mots que nous allons nous quitter, jeune Palawan, jeune Scarabée. Il était temps. Il était temps. On commence à fatiguer. Ce week-end, normalement, bah on verra, voilà. On verra. Ok, ce week-end. Ok, bon, oui. N'oubliez pas de passer ce week-end. Tenez, soyez au courant pour le live de Laura, qui va streamer. N'hésitez pas à y aller pour lui demander qui c'est. Ça te fait rire? Oui, beaucoup. Bon, on clôture? Non. Parce que... On est bien là. Allez, viens! On est bien là! On arrête quand on commence à se marrer. Donc n'hésitez pas, n'hésitez pas à retrouver Pas de Live sur Facebook, sur YouTube. Sur YouTube, il y a toute la rediffusion des lives, les best-of, les pas d'after, des vidéos. Mais c'est tout pour le moment. C'est tout pour le moment. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de. À la chaîne de Red Fox, au Twitter de Red Fox. C'est ma chaîne aussi. YouTube pour avoir les destins d'Yue. Ah oui, si vous voulez le destin d'Yue, ce que vous avez vu tout à l'heure pendant la pause, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube de Metz, Metz Productions. 2008. Vous le notez. Suivre Red Fox Gaming pour avoir toutes les infos sur tous les streams et pareil sur le Twitter. Plus d'infos aussi sur Unilan plus globalement sur le site www.unilan.org. Et puis si vous voulez nous suivre, nous personnellement, sur Twitter, il y a les hashtags UNCO et hashtag... Très personnellement, ça risque même d'être gênant parce que lui il diffuse des photos un peu. N'importe quoi. T'es un peu comme si t'es sûr que t'as le droit de faire ça sur Twitter. Mais... Ah donc attends, je lis un petit peu le chat ce week-end. Normalement. La plouche, merdouille, il faut penser à venir plus tôt. Bonne nuit, Scarabée. Non mais t'en veux pas trop Laura, enfin je te taquinais, c'est juste que j'étais assez surpris. Le destin de Lisa Empire. Non mais c'est ça. Non mais Laura, c'est juste que j'étais assez surpris vu qu'on avait un peu discuté, mais après j'ai trollé, je t'ai taquiné. Mais c'est production 2008 pour le destin de Yue. Allez, encore merci d'être resté avec nous, quasiment tout, pour certains quasiment toute la soirée, merci d'être venu en tout cas. Et qu'ils viennent tout quasiment. Ouais, merci d'être aussi régulier en tout cas avec nous, au moins on n'est pas tout seul. Merci pour les fidèles, les autres ils peuvent aller se faire. Non, merci au niveau. Merci à tout le monde, merci. Non, merci pas tant. Merci d'avoir passé un moment avec nous en tout cas, même si c'était pas longtemps. Et à la semaine prochaine, bonne nuit à tous et bonne soirée. Salut. Et bon courage pour ceux qui sont en examen. Il y en a encore qui... À plouche.